التسلسل هو توقف سلسلة المعلومات الوجودية لغير المتناهية، ومعنى هذا أنه لا يوجد شيء في الوجود يقال له علة ولا معلول أبدا. نظير قولنا أن زيد الموجود قطعا يتوقف وجوده على وجود أبيه، ووجود أبيه يتوقف على وجود جدي، وهلم جرا. فإما أن ينتهي وجوده إلى غيره أو يترام إلى ما لا نهاية لو له، فإن توقف وانتهى إلى موجود لا يلتقي وجوده مع غيره تم مطلوبنا، وكان ذلك هو الخالق. وإن لم ينتهي كان معناه عدم وجود زيد ولا غيره في تلك السلسلة، وقد ثبت أنه موجود، فوجوب بطلان التسلسل وانتهائه لثبوت وجوده بالضرورة. Le تسلسل l'enchaînement ici, c'est comme on va dire que telle personne, que Ali, pour qu'il existe, pour qu'il est là, il a besoin de son père Mohammed. Pour que son père Mohammed qu'il soit là, il a besoin de son frère Omar, et ainsi de suite. Maintenant, si on prend l'exemple de ça, je ne sais pas si vous voyez ici, je ne vais pas faire une grande chaîne, je vais faire une petite chaîne. Alors, on va faire celui-ci. Il a une. Ici, celui-là, il existe. Qu'est-ce qu'il l'a fait fabriquer ? Celui-ci. Celui-ci, il a fait celui-là. Celui-là, 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 il a fait celui-là. Et vous voyez. Maintenant, on va faire marche arrière, un film en arrière. Celui-là, il existe. Mais pour que celui-là, il existe, il faut que celui-là. D'abord, celui-là. OK ? Alors, il n'existe pas pour le moment, parce qu'on a besoin de celui-là. Mais celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là. Alors, il n'existe pas pour le moment, parce qu'il a besoin de celui-là d'abord. Celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là. Pour celui-là, pour qu'il existe, il n'existe pas pour le moment. On arrête ici parce qu'on n'en finira pas. Mais celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de quelqu'un, s'il n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Il n'y a rien. Nul. Si on fait cet enchaînement, on fait marche arrière, celui-là, il l'a fabriqué celui-là. Celui-là a été fabriqué par celui-ci, et ça suit. Maintenant, si on fait marche arrière, celui-là, est-ce qu'il y était toujours ? Non. C'est celui-là qui l'a fait créer. On l'enlève alors, il n'est pas là. Mais pour celui-là, qu'il soit là, lui, il a besoin de celui-là. Alors, on dit, il n'est pas pour là pour le moment. Il faut d'abord celui-là. Et ainsi de suite, il n'y a pas de création. Il n'y a rien. Alors, si on dit l'enchaînement, si on va à la thèse dans l'enchaînement, on ne pouvait pas exister. On ne serait pas là. Dans la thèse qu'on a citée maintenant, celui-là, il existe. Qui l'a fait exister ? C'est celui-ci. Mais alors, on va faire la thèse qu'il n'y était pas là. OK, il n'y est pas là. Celui-là, qui l'a fait. Mais lui-même, il a besoin de ça. Il n'y est pas là. Si on continue comme ça, à la fin, on n'aura rien. Il n'y a pas d'existence. Est-ce que c'est valable, ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce qu'on est là. On existe. Alors, à ce moment-là, pour cet enchaînement, on est obligé de dire que cette chose, il existe. Et pour qu'il existe, il a besoin de cette chose. Et ainsi de suite. Jusqu'où? Jusqu'à une chose qu'il existe et qui n'a pas été existée par quelque chose. Ça, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire, il faut quelque chose au départ qu'il existe de lui-même. Et on ne va pas dire le niant, il peut créer le niant. Rien à faire. Le zéro, il n'y a rien, il ne peut rien y faire. Maintenant, si on prend les zéros, c'est quoi ça? C'est zéro. Combien? Rien. On va lui rajouter un zéro. Ça fait combien on a? On rajoute un zéro. On a combien maintenant? On va rajouter un zéro. On a combien? On peut continuer à l'infini. On n'aura toujours rien. Les zéros ensemble ne feront absolument rien. Il faut une force, un nombre réel qui se met sur ses pieds pour qu'on a quelque chose. Un. Si je le mets ici, maintenant j'ai quelque chose. Maintenant j'ai quelque chose. Je peux le mettre où je veux. J'ai quelque chose.
Mais si je n'ai pas celui-ci, j'ai que des zéros néons, vous pouvez faire une chaîne de milliards de zéros et vous n'aurez absolument pas de membre. Alors ici, si on dit que l'enchaînement, que celui-là il a été créé par celui-là il a créé pour rien, on n'en finit pas, on ne peut pas exister si on suit cette chaîne-là. Pour que nous autres, on suit maintenant la raison, puisqu'on existe, on est là, il y a un enchaînement. Est-ce que cette chaîne va à l'infini? On dit non, ça ne va pas. On est obligé de s'arrêter à quelque chose qui se met sur soi-même, qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre pour qu'il existe. Et on a dit au départ, pourquoi on a fait cette chaîne, cette thèse, pour ne pas dire, car on a dit dans la première thèse, Ar-Rujhan biduni murajjih. On était tous d'accord que la chose ne peut pas se faire d'elle-même. Mais alors, Allah Azza wa Jal, qu'il l'a fait? Vous dites que toute chose, toute image, toute personne, tout objet, il doit avoir quelque chose de l'extérieur. On a compris Adam, etc. et tout l'univers, lui, Allah. Parce qu'on a dit que celui-là, il ne peut pas se faire lui-même. Il a besoin de quelqu'un, de grand-père et ainsi de suite, jusqu'à Allah. Mais alors on fait la même thèse. Puisque vous dites toute chose a besoin d'une force. Lui, il est là, Allah, il existe, oui. Mais il y a une force qui l'a fait lui aussi. Et c'est là qu'on a fait rentrer la thèse, donc, de lâcher. La chaîne ne peut pas. La chaîne ne peut pas continuer comme ça. Toute chose a besoin de quelque chose, excepté à la fin, une chose qui n'a besoin de rien, c'est Allah. Si jamais vous dites, non, il y a une force qui a créé Allah, ok, Allah, il n'existait pas, il y a une force. Cette force-là, c'est quoi? C'est ça Allah, alors. Si vous me dites, cette force-là, elle a existé tout le temps, avec cette intelligence, ce vouloir, etc., appelez-la comme vous voulez. Vous me dites qu'elle, elle existe tout le temps, qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'extérieur pour la faire exister. Ben vous me dites, c'est ça Allah. C'est ça Dieu. C'est quelque chose qui n'a pas de début. Ça, c'est la tasalsul. وهذه أو هكذا ستستمر هذه السلسلة إذا فرض أنها كلها على مسبوقة بالعدم حتى تنتهي إلى علة غير مسبوقة بالعدم. والتسلسل هو أن تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة دون أن يصل العقل إلى شيء يستقر عليه في حكمه فلو قال القائل إن الكون يحتمل أن يوجده سوى الله تعالى قلنا له وهذا الموجود المفترى من الذي أوجده فإن قال أوجده موجود غيره قلنا إن هذا سيؤدي إلى أن يكون كل واحد في السلسلة علة لوجود غيره إلى ما لا نهاية وهذا باطل فإذا هذه السلسلة لا بد أن تنتهي إلى ذات موجودة واجبة الوجود أوجدت نفسها حتى ينتهي التسلسل وهذه هي الذات الإلهية كما نرى. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toute chose, il doit avoir une autre force de l'extérieur pour qu'il existe. Est-ce que cette thèse va à l'infini? Non. Parce que si on va à l'infini, on tombe dans la thèse de l'enchaînement. Et on a dit l'enchaînement caduque. Car si on continue à dire celui-là, il a besoin de celui-là, celui-là, il a besoin de celui-là, on ne sera pas là. Troisièmement, botlan d'or. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça d'or? On avait expliqué l'autre fois la d'or. Hein? L'indépendance. C'est-à-dire, chaque chose dépend de cette chose. Wad-dor huwa tawaqufu wujudi amrin ala amrin akhar. Ad-dor, c'est la chose a besoin pour qu'il existe de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, lui-même, elle a besoin de cette chose qui est. Va venir par après. إلى أن هذا الأخير متوقف وجوده على وجود الأول وهذا باطل غير مستقيم عقلا. مثاله لو قلنا
إن وجود البيضة متوقف على وجود الدجاجة إلا أن الدجاجة متوقفة على وجود البيضة لما وجد كلاهما الاستحالة ذلك وهذا هو الدور. C'est comme on dirait, pour que l'œuf il existe, il a besoin de la poule. Mais pour que la poule existe, a besoin de l'œuf. Si on reste ici, il n'y aura ni œuf ni poule. La poule, il est là. Il existe, il est venu d'où? D'un œuf. Et l'œuf, il est venu de qui? De la poule. Il faut quelque chose, ce dor. Celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là. La poule, il te dit, je ne serais pas là s'il n'y avait pas l'œuf. Et l'œuf, il te dit, je ne serais pas là s'il n'y avait pas la poule. Tous les deux n'existeront pas. S'il y a quelque chose d'autre pour faire exister soit l'œuf sans la poule, ou la poule sans l'œuf. Après, simplement, la chaîne va continuer. Il faut un départ. Après, quand il y a la poule va faire l'œuf, et l'œuf va faire la poule, et ainsi de suite. Mais au départ, il faut quelque chose en dehors de cet œuf et de cette poule. Autrement, on restera patiné dans la même chose. Il dit ici un autre exemple. إذا اتفق صديقان على إمضاء وثيقة واشترط كل واحد منهما الإمضاء إمضاء الآخر فتكون النتيجة توقف إمضاء كل على إمضاء الآخر وعند ذلك لن تكون تلك الورقة ممضاة إلى يوم القيامة. Prenons un exemple. Ici, il va donner par exemple l'exemple de deux amis. Moi, je donnerai l'exemple d'un homme, une femme, ils veulent se marier. Et quand ils sont arrivés pour se marier, il faut l'acte. Il faut leur accord, il faut leur signature. Simplement, il y a un problème. La femme dit, je signerai quand toi tu signes. Et l'homme dit à la femme, moi je signerai quand toi tu signes. Ils peuvent se marier ces deux personnes? Jamais. Parce que la signature de la femme dépend de qui? De la signature de l'homme. Et la signature de l'homme dépend de la signature de la femme. Pas de mariage. Et rien qui bougera. Alors on comprend à ce moment-là la thèse de Dor. Celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là, ce qu'on va voir après dans la thèse de Darwinienne, etc. La nature a besoin de celui-là, de l'atome et l'atome, etc. On va voir que c'est ces thèses-là qui sont fausses. Prenons par exemple un autre exemple. Vous avez décidé de prendre sa table, deux personnes. De mettre sa table là-bas. Simplement, il y en a un qui s'est mis d'ici, l'autre s'est mis de ce côté-là. Et celui-là, il dit, je lèverai quand toi te lèveras la table.